Énergie potentielle, énergie mécanique. Énergie potentielle, définition. Expérience. En un instant t égale 0, on lâche une boule d'une position se trouvant à une hauteur h. La boule tombe sur le sable. On change la hauteur h. Observation, la boule tombe. Plus la valeur de la hauteur h est grande, plus la profondeur du cratère créé dans le sable est grande. Activité 1. Que doit posséder un objet pour pouvoir bouger? Pour qu'un objet bouge, il doit posséder de l'énergie. A-t-on fourni de l'énergie à la boule à l'instant t égale 0? Aucune énergie extérieure n'a été fournie à la boule. Question 3. En cet instant t 0, où se trouvait cette énergie? La seule réponse possible est que la boule possédait à l'instant T0 cette énergie. Donc la boule a bougé, on ne lui a pas donné de l'énergie, donc elle possédait déjà cette énergie. Question 4. Qu'indique l'augmentation de la valeur de la profondeur du cratère créé dans le sable? L'augmentation de la valeur de la profondeur du cratère créé dans le sable indique que l'énergie de la boule augmente avec la hauteur et la masse. Donc, on sait que pour déformer un objet, on doit appliquer une force. Et l'application d'une force transfère de l'énergie. Question 5. Quelle relation lie cette énergie? Donc, on la symbolise par le symbole EPP. Donc, quelle relation lie cette énergie EPP à la hauteur de la position de la boule? Plus la hauteur de la boule ou de la position de la boule augmente, plus son énergie augmente. Question 6. Est-ce que la boule a une capacité de production de l'énergie EPP? La boule n'a aucune capacité de produire ou de convertir de l'énergie. Elle n'a pas de moteur, elle n'a pas de convertisseur d'énergie, donc elle n'a pas la capacité de créer de l'énergie EPP. Question 7. La boule possède-t-elle cette énergie lorsqu'elle se trouvait au sol? Sur le sable, la boule ne crée aucune déformation, donc a priori, elle ne possède aucune énergie. Question 8. Que faut-il faire pour mettre la boule à une hauteur h? Pour mettre la boule à une hauteur h, il faut appliquer une force, fournir de l'énergie. Question 9. Quelle force s'oppose au mouvement de la boule? C'est le poids. Donc le poids nous empêche de nous élever. Dans l'expression des travaux des poids en fonction des latitudes. Donc on l'a vu sur le cours des travaux, l'expression des poids est WP égale MG Z initial moins Z final. Altitude initiale moins altitude finale.
Comment la boule a-t-elle acquis cette énergie EPP? La boule a acquis l'énergie EPP par transfert, le travail de la force qui la soulève et qui s'oppose au poids. Donc c'est la force appliquée par la main pour soulever la boule qui transfère de l'énergie à la boule. Et cette force s'oppose au poids. Le poids qui nous empêche de nous élever. Question 12. De quoi dépend cette énergie? Donc l'énergie a été transférée par le travail de la force qui s'oppose au poids qui dépend le travail on vient de le voir et là elle dépend de la masse de G et des latitudes donc l'énergie va dépendre des mêmes facteurs définition. Au voisinage de la Terre, un solide immobile dont le référentiel terrestre possède, du fait de sa position par rapport au sol et de sa masse, une énergie dite énergie potentielle de pesanteur. Donc, chaque objet se trouvant dans le champ de pesanteur possède cette énergie. On l'appelle énergie potentielle de pesanteur. Donc, comme d'habitude, on va chercher une expression mathématique de cette énergie. Expérience, on lance vers le haut une boule de masse M à partir d'une position de latitude ZI vers une position de latitude ZF. Activité 2. Que faut-il faire pour mouvoir un objet? Pour mouvoir un objet, on applique une force, on transfère de l'énergie. Fais l'inventaire des forces appliquées à la boule. La boule subit uniquement l'action de son poids. On néglige l'action de l'air. Question 3. Que transfère-t-on lorsqu'on applique une force? Lorsqu'on applique une force, on transfère de l'énergie. Le travail d'une force. Dans l'expression du travail des points en fonction ZI, ZF, donc W, P est égal à MG, ZI moins ZF. Quel type d'énergie possède la boule lorsqu'elle se trouve dans les positions de latitude ZI, ZF? Donc, on vient de donner la définition. La boule possède de l'énergie potentielle de pesanteur. Par quel mode de transfert la boule a acquis cette énergie? La boule a acquis cette énergie par le travail de la force de lancer qui s'oppose au poids. Donc en lançant, on donne de l'énergie à la boule. Et la force de lancer s'oppose au poids. Dans les relations, une relation entre le travail de P, l'énergie potentielle initiale et l'énergie potentielle finale. Puisqu'il n'y a pas de perte d'énergie, on a la somme des énergies, c'est-à-dire l'énergie des travail des points, plus la variation de l'énergie potentielle est égale 0. Soit le travail des points est égal moins delta EPP. Elle est opposée à la variation de l'énergie potentielle.
déduit une expression de EPP, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc EPP final moins EPP initial est égal moins MGZI moins MGZF. Soit, en enlevant les parenthèses, on a MGZ final moins MGZ initial. Donc on a EPP final, MGZ final, EPP initial, MGZ initial. Donc on déduit que l'expression de l'énergie potentielle est MGZ. Donc, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est très simple. Elle est égale à la masse fois l'intensité de pesanteur G fois la latitude des centres de gravité de l'objet étudié. On a aussi la variation de l'énergie potentielle est égale le travail des poids ou l'opposé du travail des poids. Niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Expérience. On pose la boule précédente sur un plan horizontal de sorte que ZG est égal à 0. Donc le plan horizontal contient l'origine de repère OZ. On retire le plan horizontal. Observation. Donc, évidemment, la boule va tomber. Rappelle l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, on vient de l'avoir. EPP est égal à 1 fois G fois Z. Détermine la valeur initiale de l'énergie potentielle de pesanteur de la boule. Donc, puisque la boule se trouve sur la table, donc le centre d'inertie de la boule est à peu près égal à 0, donc l'énergie potentielle est égale à 0. Que doit posséder un objet pour pouvoir bouger? Pour bouger un objet a besoin d'énergie. Question 4. A-t-on fourni une énergie extérieure à la boule avant le retrait des plans horizontaux? Aucune énergie n'a été fournie à la boule au moment du retrait des plans horizontaux. Comment expliquer le mouvement de la boule? Le mouvement de la boule indique qu'elle possède encore de l'énergie potentielle de pesanteur. Question 6. Est-ce que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur déduite précédemment est suffisante? C'est-à-dire l'expression MGZ. Donc on vient de montrer que dans ce cas, l'énergie potentielle est nulle et malgré ça, la boule bouge, ce qui indique qu'elle possède de l'énergie potentielle. Donc l'expression proposée est insuffisante. Donc on ne peut pas déterminer le niveau où EPP est égal à 0. Pour résoudre ce problème, on choisit arbitrairement
un niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire un niveau de latitude Z0 pour lequel EPP est égal à 0. On démontre que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur prend la forme EPP est égal à MGZ moins MG Z0. L'énergie potentielle de pesanteur d'un corps quelconque est l'énergie que possède ce corps à cause de sa présence dans le champ de pesanteur terrestre. Cette énergie dépend de la latitude des centres d'inertie des corps et de sa masse. Elle est exprimée par la relation EPP pour ZG est égal à MGZG moins MGZ0. Z0 étant la latitude des niveaux de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire au niveau de Z0, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Pour simplifier, on choisit le niveau de référence EPP confondu avec le plan passant par l'origine de repère, soit Z0 est égal à 0. Ainsi, la relation précédente prend la forme EPP ZG est égal à MG ZG. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur delta EPP ne dépend pas des choix du niveau de référence. Pour déterminer la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur, en un instant t, il faut déterminer les valeurs de z, la latitude du centre d'inertie à l'instant t, z0, la latitude de la référence de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire pour EPP égale 0. Application. Un cylindre de masse M est égal à 300 grammes, de hauteur H égale 30 cm et de rayon R égale 10 cm se trouve sur une table haute de 1 mètre. Le cylindre tombe par terre sans se casser et se trouve à la position horizontale. En prenant le niveau de la surface de la table comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et comme origine de l'axe OZ dirigé vers le haut, calcule l'énergie potentielle du cylindre dans les deux positions. Donc, on a l'expression générale de l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mg zg moins z0. Donc, il faut déterminer le z0 et le zg dans les deux cas. En commençant par le z0, puisque le niveau d'énergie se trouve au niveau de la table, donc z0 est égal à 0. Donc, l'expression devient EPP est égal à mg zg. Schéma. Donc on a la table, l'axe OZ, l'origine de l'axe se trouve sur la table et le centre d'inertie du cylindre est là. Donc son latitude est égale à la moitié de sa hauteur, c'est-à-dire 15 cm. La référence de l'énergie potentielle est prise au niveau de la table pour Z0 est égal à 0. Le cylindre tombe.
Son centre d'inertie est là. Donc là, Z, G et cette hauteur. Donc de là au sol, on a 1 mètre et le rayon du cylindre est de 5 cm. Donc de là à là, on a moins 95 cm. Donc au niveau de la table ZG est égal à 15 cm ou 0,15 mètres, ce qui nous donne une énergie potentielle de 0,441 joules. Au niveau du sol, ZG est égal à moins 0,95 cm, soit énergie potentielle de moins 2,793 joules. Question 2. On prend maintenant la surface du sol comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Recalcule les mêmes énergies. Donc, la référence de l'énergie maintenant prise au niveau du sol, c'est-à-dire Z0 est égal à moins 1 mètre. L'axe garde la même origine au niveau de la table, donc ZG est égal à 15 cm, il ne change pas. Mais lorsque la même chose, lorsque le cylindre tombe, son ZG ne change pas. Est égal à moins 95 cm. Ce qui a changé, c'est le Z0 qui est égal à moins 1. Donc l'expression de l'énergie est EPP est égal à MG moins Z0 qui est égal à moins 1, ce qui nous fait plus 1. Donc il suffit de remplacer. Donc les énergies potentielles sont 3,381 joules et 0,147 joules. Donc pour le premier cas, l'énergie initiale était 0,441 et finale moins 2,793. Dans le deuxième cas, l'énergie initiale est égale 3,381 et l'énergie finale est égale à 0,147. Ça nous montre que l'énergie potentielle dépend des niveaux de référence de l'énergie. Pour le premier cas, la référence d'énergie potentielle a été prise au niveau de la table. Dans le deuxième cas, la référence a été prise au niveau du sol. Donc, les valeurs de l'énergie potentielle dépendent de la référence. Question 3. Calcule la variation de l'énergie potentielle de pesanteur du cylindre lorsqu'elle passe de la table au sol. Que conclus-tu? Donc, delta EPP, c'est l'énergie finale moins l'initiale. Dans le premier cas, on remplace. Donc, on a delta EP est égal à moins 3,234 joules. Dans le deuxième cas, on a moins 3,234 joules. Donc, on a la même valeur. Ça implique quoi? Ça implique que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur ne dépend pas de la référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc je rappelle, l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la référence, mais la variation de l'énergie potentielle ne dépend pas de la référence.
2. Énergie mécanique d'un solide. 1. Définition. Activité 4. Considérer un solide de masse M en chute libre son vitesse initiale d'une position A vers une position B et passant par une position C. On prend le niveau contenant le point B comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et comme origine de l'axe OZ. Question 1. Dans l'expression de EPPA, donc EPPA est égal à MgZA, puisque la référence de l'énergie potentielle a été prise au niveau de plan contenant l'origine de l'axe OZ. Dans l'expression de EPPC, donc la même chose. Question 3. Quel type, autre type possède le solide à la position C? Le solide est en mouvement. Elle a donc une vitesse. Par conséquent, elle possède aussi de l'énergie cinétique. C est égal à 1 demi 1V carré. Quel type d'énergie possède le solide entre les positions A et B? Donc, il possède de l'énergie potentielle, de pesanteur et de l'énergie cinétique. On dit que le solide possède une énergie mécanique entre les positions A et B. Que représente cette énergie? Donc, l'énergie mécanique représente la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. Définition. Dans un repère quelconque, l'énergie mécanique EM d'un solide en un instant donné est égal à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Dans le cas d'un mouvement de translation, on a l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré plus mgz moins mgz0. Dans le cas d'un mouvement de rotation, l'énergie cinétique a pour expression 1 demi G delta oméga carré plus MgZ moins MgZ0. G delta étant le moment d'inertie. Donc on a vu ça durant le cours sur l'énergie cinétique. Conservation de l'énergie mécanique. Cas d'une chute libre. Activité 5. Considérez un solide de masse M qui chute librement d'une position A vers une position B. Question 1. Rappelle l'expression du théorème de l'énergie cinétique. Donc, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Applique le théorème dans le cas étudié. Donc, on a une seule force. Par conséquent, delta EC est égal le travail des poids. Question 3. Rappelle la relation entre le travail des poids et la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, on l'a vu, la variation de l'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail des poids. Dans l'expression delta EM, la variation de l'énergie mécanique.
Donc le delta indique une variation. Donc delta EM est égal delta de EC plus EPP. En enlevant les parenthèses, on a delta EC plus delta EPP. C'est-à-dire la variation de l'énergie mécanique est égale la somme des variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Démontre que l'énergie mécanique se conserve dans ce cas. Donc delta EM est égal à delta EC plus delta EPP. Or, on vient de le voir, delta EC dans ce cas est égal au travail de poids. Et le delta EPP est égal moins le travail de poids. Ce qui nous donne delta EM est égal travail de poids moins travail de poids, ce qui nous fait 0. Une variation nulle, ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Elle ne varie pas. Question 6. Sur le plan énergétique, que représente cette conservation de l'énergie mécanique? Delta EC est égal à moins delta EPP. Ça veut dire quoi? Que toute l'énergie cinétique s'est transformée en énergie potentielle. Résultat. Durant une chute libre d'un solide, son énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire tout son énergie potentielle de pesanteur se convertit en énergie cinétique. Et inversement, lorsqu'on lance une boule, toute l'énergie potentielle va, ou plutôt toute l'énergie cinétique qu'on fournit au départ à la boule, va être converti en énergie potentielle, c'est-à-dire que l'objet va gagner de l'énergie potentielle. Que d'un plan incliné? Considérons un solide de masse M qui glisse sans frottement d'une position A vers une position B sur un plan incliné. Fais l'inventaire des forces appliquées au solide. Représente-les sans échelle. Donc, le solide subit l'action de son point ainsi que l'action de la surface. La représentation des forces donc le poids elle est verticale et puisqu'il n'y a pas de frottement R est perpendiculaire à la surface ou on dit qu'il est normal. Applique le théorème de l'énergie cinétique dans ce cas, dans le cas étudié. Donc les forces ont la P et R, donc delta EC est égal le travail de P plus le travail de R. Or, R est perpendiculaire, donc son travail est nul. Donc je rappelle l'expression de travail de R. WR est égal vecteur R multiplié par vecteur AB, où R fois AB fois cosinus ont de l'angle entre les deux vecteurs. L'angle entre les deux vecteurs est de 90 et le cosinus de 90 est égal à 0. Donc le travail de R est égal à 0. Donc il nous reste delta EC est égal le travail de P. Démontre que l'énergie mécanique se conserve dans ce cas. Donc, le travail de P est égal à moins delta EPP. Delta EC est égal au travail de P.
Ce qui nous fait en fin de compte 1 Em est égal constant. C'est le même raisonnement que pour une chute libre, puisque la seule force qui reste et qui travaille, c'est le poids. R, elle est présente, mais elle ne travaille pas. Donc, la seule force qui travaille, c'est le poids. Donc, on retombe sur le même cas d'une chute libre. Sur le plan énergétique que représente cette conservation d'énergie, bien sûr, on l'a vu, c'est là que l'énergie potentielle de pesanteur se convertit en énergie cinétique ou inversement. Donc, on est dans le même cas qu'une chute libre. Le plan incliné et la chute libre, on a à peu près les mêmes choses. Puisque la force ou l'action de la surface ne travaille pas. La non-conservation de l'énergie mécanique. Considérant un solide de masse M qui glisse avec frottement d'une position A vers une position B sur un plan incliné. Fais l'inventaire des forces et représente-les. Donc on a les mêmes forces P et R, mais la représentation est différente. Le poids garde les mêmes caractéristiques. Mais puisqu'il y a frottement, R se pose au mouvement. Donc là, il faut la changer puisqu'elle se pose au mouvement. La direction doit être opposée au mouvement. Le mouvement, c'est vers le bas et R doit être vers l'autre côté. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique, on a la même chose, mais cette fois, le travail de R n'est pas nul. Question 3 dans l'expression delta Vm, la variation de l'énergie mécanique. Question 4 démontre que l'énergie mécanique ne se conserve pas dans ce cas. Donc en remplaçant delta EC par le travail de P plus le travail de R et le delta EPP par moins le travail de P. Donc on a moins le travail de P plus le travail de P vont s'éliminer. Donc en fin de compte, on a delta EM est égal le travail de R, donc il n'est pas nul. Par conséquent, on ne peut pas écrire EM est égal constante. Le EM varie. Puisque l'énergie ne se perd pas, en quel type d'énergie se convertit l'énergie mécanique perdue dans ce cas? Le défaut d'énergie mécanique s'est converti en énergie thermique. Donc, je rappelle que le travail de R est égal à moins F fois AP. F étant la composante tangentielle de R et AP la distance parcourue.
la non-conservation de l'énergie mécanique qu'en général. Considérant un solide de masse M tiré vers le haut par une corde qui exerce une force F sur le plan incliné. Fais l'inventaire des forces appliquées au solide, représente-les sans échelle. Donc on a trois forces, le poids, l'action de la surface et la force de traction F. Représentation des forces. Le poids K ne change pas, elle est toujours verticale. R qui se pose maintenant au mouvement puisqu'on tracte l'objet vers le haut. R se pose au mouvement. Et on a la force de traction F qui fait un angle quelconque par rapport à l'horizontale. On ne s'intéresse pas à l'angle maintenant. Question 2. Dans l'expression du théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème c'est delta C est égal à sigma des travaux des forces. On a trois forces, donc on a travail de P plus travail de F plus travail de R. Question 3. Dans l'expression delta M, la variation de l'énergie mécanique. Donc il ne change pas, delta M est égal à delta EC plus delta EPP. Question 4 démontre que l'énergie mécanique ne se conserve pas dans ce cas. Donc on fait le même raisonnement, on va remplacer le delta EC par son expression qui est là, et le delta EP par moins le travail des poids. Donc le travail des poids va être éliminé. Il nous reste en fin de compte delta M égale le travail de F plus le travail de R. En général, que vaut la variation de l'énergie mécanique dans le cas où le déplacement se fait avec frottement? Donc, dans le cas général, bon, qu'il soit avec frottement ou non, on a delta EM est égal à la somme des travaux moins le travail des poids. Donc, la somme des travaux va contenir le travail des poids et le delta EP est égal moins le travail des poids. Donc, c'est la somme des travaux moins le travail des poids. Conclusion. La variation de l'énergie mécanique d'un système en mouvement est égale aux travaux des forces appliquées à ce système, à l'exception du poids. Application. On lance avec une vitesse initiale V est égale à 5 mètres par seconde, un solide S de masse M est égal à 1 kg, d'un point A appartenant à un plan incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha est égal à 30 degrés. Après un parcours de 2 mètres, la vitesse du solide atteint la valeur V est égale à 4,7 mètres par seconde. Question 1 démontre que l'énergie mécanique des solides ne se conserve pas. Donc on a le delta EM égale delta EC plus delta EPP ou delta EC plus au moins le travail des poids. Pas plus, moins le travail des poids. Delta EPP est égal à moins le travail des poids. Donc on a delta EM est égal à 1 demi M V carré moins V initial au carré moins MGH. On n'a pas le H,
Donc, on démontre qu'elle est égale à B sinus alpha. Application numérique. Donc, on a delta EM est égal à moins 2,455 joules. Donc, delta EM n'est pas nul. Par conséquent, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Calcule l'intensité de la force de frottement qui est équivalente aux forces de frottement qu'on considère comme constantes. On calcule de F, donc delta EM est égal à moins F AB. Ce que nous fait, F est égal à 1,23 newton. L'essentiel. Donc, il faut retenir l'expression de l'énergie potentielle pesanteur dans le cas général. Ne pas oublier que la variation de l'énergie potentielle pesanteur est égale à l'opposé des travées de poids. L'énergie mécanique, c'est la somme des énergies cinétiques et l'énergie potentielle en un instant t. Dans le cas d'une translation, on a ça. Et dans le cas d'une rotation, on a ça. Dans le cas général, la variation de l'énergie mécanique est égale les travaux des forces appliquées au solide moins le travail des poids. Donc, c'est à peu près l'essentiel pour résoudre les problèmes ou les exercices. Fin de cours, les exercices seront sur une autre vidéo. Bonne chance!